Ce n'est pas difficile de régler les problèmes avec le dialogue, avec la négociation, avec les blablabla, en se mettant autour de table et négocier. Tout est possible. On peut tout négocier, sauf si nous avons en face de nous des gens fanatiques, nerveux. Malade seulement, si c'est le cas, on peut pas le régler, bien sûr. Allô, bonsoir, c'est qui? Et il ne quittez pas, on vous prend tout de suite. Voilà, vous êtes en ligne, et, et voilà, on va vous prendre tout de suite. Euh, bonsoir, et comment allez-vous? On vous écoute, oui. Euh, bonsoir, je voulais vous dire que l'émission, la dernière émission avec le petit fils du chat, c'était très intéressant. Et je n'ai pas réussi à prendre son mail. Est-ce que vous pouvez pas euh, euh, me l'indiquer de nouveau? Bien sûr, je vais vous le communiquer sur l'antenne, même pour les autres. Si vous voulez, Patrick, Pahlavi attaché. Alors, alors, ça s'écrit AH un instant. Je prends un papier. J'aurais dû le préparer tout à l'heure. Alors. Euh, a ah, H. Non, c'est Patrick. Patrick. Patrick comme Patrick. Oui, Patrick, ça, je, je le sais, puisqu'on sait comment ça s'écrit. Mais euh, par le nom de vie. famille. Par la vie, P comme Patrice. Oui. A comme Alan. Oui. H comme Hélène. Oui. L comme Lily. L comme, euh, comme, comme Lilian. Euh, la, euh, comme euh, La L'abbé. Non, Lille. Elle comme Lille, Lille, la Lille. Elle oui. comme la ville de Lille. Euh, euh, voilà. Et A comme Alan encore. Oui. V comme Victor. Oui. I comme Italie. Et c'est tout. C'est tout après parce arrobase. Arrobase. Oui. Gmail.com. Oui, ça c'est connu. Alors je, je voulais vous féliciter parce que vraiment c'est une ouverture. Mais seulement je crains pour lui, parce que comme il a dit qu'il était interdit en France, je crains que vous ayez des répercussions, vous ou lui, du fait qu'il a parlé malgré cela. Non, déjà, je veux vous dire que ce problème s'est déjà réglé, parce que ça, c'est une rediffusion. Ce problème s'est déjà réglé, mais toujours, puisqu'il est franc, il parle franc. Il a des ennemis dans sa famille, hein, il a des ennemis dans sa famille. Euh, et, mais il habite actuellement en Suisse, il n'est et, et pas en France, il n'est pas en France. Euh, il avait des problèmes à l'époque, même à l'époque de son euh, oncle, le, le chat d'Iran, il avait des problèmes, et, etc. Mais maintenant ça va, euh, de toute façon, il est censuré de temps en temps, il est censuré, on ne laisse pas s'exprimer. Euh, mais euh, avec la France, ces problèmes c'est fini. Voilà. Ah, c'est bien. Ça me tranquillise parce que j'avais peur pour lui. Euh, non, la France euh, n'a pas de problème avec euh, lui actuellement, ni euh, ni lui n'a pas de problème avec la France. Vous savez, pendant certains temps, euh, quand il y avait, il y a certains euh, Uh, agents de services de renseignement ou des directeurs etc. Ils posent des problèmes mais imaginez-vous que quand Nicolas Sarkozy n'était plus président même patron de service de renseignement l'avait arrêté, vous voyez uh, des, quand on fait des bêtises, ici en France nous sommes en démocratie heureusement, on ne peut pas faire n'importe quoi alors si Patrick par le prince, il était victime de certaines choses uh, actuellement c'est fini uh, il n'y uh, a pas de problème voilà OK très bien. Euh, merci, vous m'avez tranquillisé. Alors je répète le nom parce que moi je l'ai envoyé un mail et il, il m'est retourné, il m'est revenu. Alors P A H Non, a pas de par la pardon, pardon, vous parlez de ça. P A H L A V I. Exact madame, exact. Ok après c'est facile gmail.com Ok mais Patrick, merci beaucoup N'oubliez pas que au départ vous avez Patrick par la vie vous Ah oui 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 Patrick, ah oui mais ça c'est connu comment on écrit Patrick Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour ça Ok et eh ben écoutez euh, merci beaucoup et euh, bonne soirée Merci merci bonne soirée à vous C'est moi c'est moi je vous remercie de l'avoir euh, fait passer au revoir merci. bonne soirée Bonne soirée Bonsoir au revoir. Voilà, nous, vous êtes sur 95 FM Radio. Si maintenant, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès l'interview avec Prince Patrick Pallavi. C'est un savant, c'est un philosophe. Prince Patrick Pallavi, c'est un philosophe. Euh, euh, c'est un ami. Je suis fier d'avoir Patrick Pallavi euh, comme patri compatriote, <laughs> parce que c'est un philosophe. Comme vous avez pu constater, euh, il a une large information et connaissance, surtout euh, sur énormément de choses. C'est un être humain, c'est un humaniste, euh, rationnel, laïque, euh, en même temps, euh, concernant la spiritualité. Il a des idées qui, qui, qui sont tout à fait nouvelles, mes chers amis, et voilà. Alors, vous écoutez votre radio, ici maintenant, 95.2 FM, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Euh, le triste affaire, c'est l'affaire d'Israël. Malheureusement, actuellement, le monde entier est en paix avec l'Israël, surtout les Arabes, surtout les musulmans. Alors je ne sais pas euh, pourquoi quelques dirigeants euh, euh, palestiniens on peut pas les arrêter euh, pour faire la paix et continuer le processus de la paix qui a été commencé euh, depuis des années. Il faut, il faut vous dire, les Nations Unies en première, euh, c'est euh, les Palestiniens qui n'ont pas accepté les résolutions de Nations Unies. Après, euh, pendant des années, la guerre et les guerres, euh, les actes terroristes soi-disant, ça continuait. Euh, seulement, euh, un homme de courage, un homme de courage, euh, il a pu faire quelque chose. C'était François Mitterrand. Et après François Mitterrand, c'est à l'époque de Jacques Chirac, euh, surtout la France, c'est-à-dire, voilà, c'est la France. Qui a intervenu et il a mis sur le même table, on ne va pas parler des États-Unis, de Avar euh, Sadat avec Menahem Begin et tout ça, mais euh, puisque nous sommes en Europe, nous sommes en France, euh, on est français, voilà, euh, la France avait un rôle assez important pour mettre euh, Arafat avec Chimon Press euh, sur le même table, même euh, après la disparition de François Mitterrand. Euh, à UNESCO, on a, fait, on a organisé quelque chose, que moi j'étais dedans à l'époque, euh, avec Pierre Morvois, social internationaliste, on peut dire, et Pierre Morvois qui était copain, ami et de euh, président Mitterrand. On a organisé quelque chose il y avait environ une centaine de personnalités euh, venues euh, de partout dans le monde. Qui soit président, euh, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, etc. Et, et il y avait Shimon Prez avec Yasser Arafat. J'ai eu le plaisir là-bas d'être présent, de euh, regarder l'amitié qui était entre les deux personnes. Mais malheureusement, après, ils n'ont pas laissé. C'est-à-dire, euh, c'est les gens et les pays et les mouvements euh, arabes ou musulmans internationaux euh, qui ne voulaient pas la paix soit installée entre Israël et les Palestiniens. Pourquoi Puisqu'avec les conflits, toujours, ils sont gagnants. Mais maintenant, Maintenant qu'une grande partie du monde est gérée par les Arabes, surtout l'Arabie saoudite, et ils ont fait la paix avec l'Israël, alors il faut imposer, c'est-à-dire il faut demander l'Arabie saoudite et des pays du de Golfe Persique qu'ils ont une force euh, plus forte que euh, l'Iran, la République islamique d'Iran, sur les Palestiniens, pour qu'ils acceptent de négocier. Euh, c'est quelques-uns du, du terroriste qui tout pour l'argent parce que l'individu 21 ans 17 ans 13 ans quand il prend son pistolet le couteau lui euh, la tête était lavée son cerveau était lavé mais il ne sait pas qu'il y a un investissement que son patron moi je le sais parce que ce, ce que je vous dis ce n'est pas de la blague hein. moi moi je parle je parle cinq langues J'écoute les informations de la source. Je vois qu'est-ce qu'ils disent les ayatollahs en Iran tous les jours. Et je vois qu'est-ce qu'ils disent les chefs terroristes palestiniens qui sont en relation avec l'Iran, qui touchent l'argent officiellement. Ils disent que nous avons touché 20 millions de dollars, 30 millions de dollars, 10 millions de dollars. Officiellement, ils disent ça. Mais ici, on ne vous diffuse pas. Vous savez pas. D'accord Alors, ces gens-là, quand ils touchent 20 millions, 30 millions, 50 millions de dollars, il suffit de donner, dépenser 50 millions de dollars dans le foyer palestinien. Je suis franc avec vous. Je ne suis pas un homme de la blablabla. Je sais que certains individus qui ne sont pas au courant, qui sont fanatisés, qui sont nerveux, et, ah, ils ne vont pas aimer. Mais c'est la vérité, mes amis. La vérité, on dit, voilà. Euh, oh, Déjà par le propagande islamiste, par le propagande patriotiste, soi-disant nationaliste palestinien, on tourne la tête des gens, des individus, mais il y a un financement derrière, comme à l'époque, n'oubliez pas. Saddam Hussein, je diffusé sur cette antenne quand il était vivant, il disait qu'il payait à chaque famille palestinienne qui est assassinée dans les combats, 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars. De 10 000 jusqu'à 50 000 dollars, il payait, il disait et actuellement aussi, on le Et moi, si vous écoutez Arabe et vous comprenez, si vous écoutez personne et vous écoutez, allez-y. Les patrons terroristes palestiniens, eux même quand ils sont en Iran, ou en, en dehors d'Iran, ils disent qu'ils touchent de l'argent. Et cet l'argent il touche par des millions, mais ils dépensent quelques centaines de milliers. Parmi les foyers palestiniens, comme Michel tout à l'heure, il a dit quand tu, euh, euh, la famille n'a pas l'argent, n'a pas de travail, qu'est-ce qu'il a fait il, il, il tombe dans le piège. Écoutez Hassan Nasrallah. Écoutez, je sais que vous êtes très nombreux qui vous comprenez arabe. Écoutez le propos de Monsieur Hassan Nasrallah sur l'internet, vous pouvez le trouver facilement. Lui-même, il dit, il dit euh, quand on a fait la guerre. Avec l'Israël. Après, c'est la République islamique d'Iran, c'est Ali Khamenei qui a dépensé plusieurs milliards de dollars pour nous. Il a reconstruit les, les ponts, les maisons, et il a donné à chaque foyer des milliers de dollars. Et il a euh, fabriqué nos maisons qui étaient détruites. C'est-à-dire l'argent, c'était donné et financé par euh, de la guerre et la famille qui était victime ou tuée ou leur maison a été détruite, oh, voilà, euh, était été financée par la République islamique d'Iran avec le peuple des Iraniens, avec l'argent des Iraniens, l'argent le, le, des Iraniens, c'est grave ça, mais ça vous ne savez pas, beaucoup de gens ne savent pas ça, ils vont de, de dire des blablabla, des arguments, je ne sais pas quoi, alors actuellement il faut faire la paix, il faut faire la paix, il faut, on, on peut arrêter 4-5 chefs terroristes palestiniens, ça, ce n'est pas difficile. Il faut les arrêter, ces gens-là. Il faut faire la pression sur le pays qui parle. Parce que sinon, il y aura une troisième guerre mondiale depuis toujours. Je vous, dis. Vous, je vous ai déjà dit, il y a la troisième guerre mondiale depuis des années, mais il n'a pas été encore élargi. Le monde d'Occident était tellement intelligent qu'après l'attaque de l'Ukraine, ils n'ont pas entré dans la guerre. Officiellement, ils financent, ils donnent des armements, mais ils ne sont pas entrés dans la guerre. Mais parce que le but c'était de brûler le monde. Et brûler le monde, c'est le cas d'Iran, la République islamique d'Iran. Il est, il faut dire de ce côté-là, il faut dire cette information aussi, il faut dire la vérité. La République islamique d'Iran, aujourd'hui, il y a deux usines. Euh, une fabrication de l'huile, l'autre fabrication euh, des armements, qui a été détruite et brûlée. Et actuellement, ici et maintenant, en Iran, a, a, a toutes les policiers autour de toutes ces os, usines patati patata, alors ça, ce n'était pas un accident. Ça, c'est la guerre, ça continue, c'est la guerre. Toujours il a les frappes à droite à gauche. Alors, si ces frappes s'élargissent de deux côtés, ce sera, vous savez, la République islamique d'Iran, puisqu'il joue avec les chiites. Les chiites, c'est une partie des musulmans qui sont dispatchés partout dans le monde. En plus, ces gens-là sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux Puisqu'ils s'est martyrisé, les chiites. Le chiite, il dit, le nouveau de Mahomet a été assassiné, ses enfants <laughs> petit assassiné, moi je veux devenir comme Hossein, ne t'inquiète pas, vas-y, tu vas on va te faire tuer, on va euh, financer ta famille. C'est dangereux. Je ne veux pas entrer dans cette truc-là, mais on peut faire la paix en arrêtant 3, 4, 5 chefs palestiniens qui ne travaillent que pour l'argent, c'est tout. Compris Machal et les autres, ces gens-là, c'est des terroristes et c'est pour l'argent qui touche. Ils bougent. Ce n'est pas pour l'idéologie, ni pour la patrie, ni pour la Palestine, etc. Voilà. Vous pouvez intervenir en composant le 09, euh, non, 08, pardon, 08, 92, 23, 95, 20. Allez là pour vous écouter, mes chers amis. Les entours conduisent la vieille, il n'y a pas retourner. Pour rappeler à l'essentiel, nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps.